En fait, une tournée comme celle-ci, ça correspondait à un rêve que j'avais depuis longtemps, de mettre au fond la magie des concerts en extérieur dans des espaces plus contrôlés pour arriver à partager dans une proximité différente cette aventure de concert avec beaucoup de technologies embarquées, technologies musicales très particulières, avec vraiment un accent mis sur le live, sur le plan de la musique, et avec un grand nombre d'instruments tout à fait extraordinaires qui sont sur scène chaque soir, et puis aussi une scénographie que je puisse exprimer des choses que je ne pouvais pas faire en extérieur parce que à cause de la météo, à cause du vent, à cause de la pluie, à cause des intempéries, avec le fait qu'on contrôle beaucoup plus les choses paradoxalement dans des salles. Mais moi, quand j'ai commencé, les salles n'étaient pas faites pour ça, et maintenant il y a des tas de salles dans le monde qui sont vraiment prévues pour le spectacle vivant, pour les concerts. Cette tournée, et c'est ce que j'ai évidemment réalisé, je le savais, mais je l'ai réalisé parce que c'est un projet particulier, c'est pas seulement 2 heures de concert, c'est en fait 24 heures sur 24 de travail, de passage de relais d'une équipe à une autre, de gens qui, à la limite, dorment pendant que nous, on fait le concert, parce qu'ils ont voyagé la nuit, ils se sont installés le matin, exactement comme les gens du voyage, comme les gens du cirque. Si je fais ces concerts aujourd'hui, c'est probablement parce que quand j'étais enfant, j'étais frappé par ces gens qui viennent avec leur caravane, qui se posent un jour dans une ville, qui font leur spectacle et qui disparaissent le lendemain matin. Il y a quelque chose là qui, pour moi, est vraiment le cœur de ce que doit être la tournée, le concert. Et donc, en fait, toute la journée, il y a des tas d'énergies différentes, de gens différents, qui, à la limite, se croisent sans se cogner et qui doivent être prêtes à l'instant I, c'est-à-dire au moment où le show démarre. Il faut que tout fonctionne et que chacun fasse confiance à l'autre pour que toutes les techniques différentes se superposent et puissent être prêtes au tenter.
on les a retrouvés pour les fêtes. Alors, le cœur de ce projet de concert, c'est évidemment la musique, et avec une musique qui est jouée d'une manière très particulière, puisqu'il y a un setup de synthé et d'instruments électroniques qui sont uniques au monde, et qui font partie de la mythologie, de la légende de la musique électronique, avec des instruments qui sont l'équivalent de Stradivarius de l'électro. Ces instruments-là ne sont pas choisis simplement par un réflexe nostalgique ou rétro-futuriste, mais parce que ces instruments, exactement à l'instar des premières guitares électriques Fender ou Gibson, ont un son qui est absolument incomparable et extraordinaire. Et je suis absolument convaincu que ces instruments vont faire partie du paysage sonore du 21e siècle. Ce que j'aime beaucoup dans ce projet de concert, c'est qu'à une époque où la société a peur des accidents, des imprévus, des choses inattendues, il y a à la fois la cohésion d'un groupe, une technologie extrêmement contrôlée par toute l'équipe, et en même temps la fragilité de chaque instant et la vulnérabilité qui doit absolument être au cœur du partage qu'on a quand on veut exprimer quelque chose et atteindre les gens sur le plan des émotions. Ce rassemblement d'instruments autour de nous, on est quatre, nous permet justement d'envisager la musique électronique pour la première fois de manière complètement live, exactement comme un groupe de rock ou un groupe de jazz, et de pouvoir instaurer une complicité instantanée à chaque moment. On est à la fois comme un quatuor classique et comme un groupe de hard rock. Ce mélange-là est quelque chose qui, je pense, touche et a touché énormément le public cette année.
L'art plaisir est vraiment né dans ma tête de l'idée de pouvoir exprimer visuellement la musique électronique qui n'est pas la plus visuelle du monde, puisque les instruments sont des instruments au départ de laboratoire qui n'ont pas été faits pour la performance scénique. Et avec l'idée d'utiliser au fond la lumière comme instrument et comme matériau et comme ingrédient à la lutherie que j'avais envie d'exprimer sur scène. Avec tout simplement partant de l'idée de l'art comme instrument acoustique que tout le monde connaît et de remplacer les cordes par des rayons qui sont tout simplement reliés à un synthétiseur et un instrument, et de pouvoir justement arriver à exprimer de manière poétique et surréaliste, de pouvoir partager avec le public, même si le public se trouve au fond d'une salle ou au fond d'un parc ou d'une ville quand on est en extérieur, le jeu musical d'une manière visible et à la fois sensible. Et puis l'art plaisir, c'est aussi toute l'imagerie de science-fiction qui m'a beaucoup influencé quand j'ai commencé à faire de la musique. Tout ce côté Star Trek qu'il faut prendre en même temps de manière poétique et sérieuse, mais aussi avec humour et avec décalage. Le térémine, c'est un instrument russe qui a été développé dès la fin des années 20 et c'est probablement le premier instrument électronique qui marche sur un système électromagnétique. Il y a une antenne qui contrôle la hauteur et l'autre le volume. Et en fait, c'est vraiment pour moi l'exemple parfait de la poésie de la technologie. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans la situation d'un dresseur de tigres. C'est-à-dire avec la fragilité de l'instant, le danger aussi de partir n'importe où, d'être entre le contrôle et l'inconscient. Il n'y a pas de repère et donc on est obligé de se réinventer chaque soir. Pour moi, le térémine, c'est la rencontre absolue entre la technologie et la poésie, le geste et le son. Un des aspects de ma génération, que ce soit d'ailleurs dans le rock, dans la pop ou dans la musique électronique, c'est qu'en fait, dans l'histoire de la musique, on a été à un moment donné en situation d'ouvrir des portes sur des territoires vierges. Donc, d'une certaine manière, on n'est pas nécessairement responsable de ça, mais on est dans une situation qui est une situation unique, qui ne se reproduira peut-être pas, parce que maintenant la technologie est en marche. Je fais partie de cette génération qui est née avec le début de la technologie.
Quand j'étais étudiant, j'étais passionné par l'opéra comme forme d'expression. C'est-à-dire que je me suis toujours demandé pourquoi des gens comme Wagner ou Verdi, qui faisaient une musique qui n'avait absolument pas besoin d'être renforcée visuellement, pourquoi ils avaient besoin de travailler avec des charpentiers, des peintres, des décorateurs, des scénographes. C'était simplement justement pour pouvoir arriver à partager avec le public, à renforcer, à développer encore plus l'expression scénique de leur musique. Et en fait, finalement, moi, je travaille avec les techniques de ma génération, que sont la vidéo, l'électronique, la lumière, le laser. Et j'attache énormément d'importance à la scénographie, non pas pour raconter une histoire, ça c'est le cinéma ou c'est la vidéo, mais pour justement essayer d'arriver à trouver dans l'arrangement de la musique, justement, des passerelles visuelles qui permettent de faire voyager les gens et le public encore plus, qu'ils puissent faire leur propre film d'une manière totale. C'est pour ça que, pour moi, la scénographie doit absolument intégrer la lumière, des décors, un peu comme au théâtre, mais un théâtre qui serait un théâtre de science-fiction, un théâtre high-tech. Et donc de pouvoir justement utiliser au fond les règles du théâtre, qui sont des règles intemporelles, mais en utilisant les outils d'aujourd'hui et de demain si possible.
Et ce qui est drôle, c'est que effectivement, quand je vois aujourd'hui l'état de la musique électronique, qui est finalement le médium mondial de la musique tout genre confondu, et que je vois mes débuts, c'est-à-dire d'être au milieu d'une poignée d'allumés dans un petit laboratoire qui intéressait absolument personne, je mesure le chemin parcouru, et c'est vrai que je suis heureux d'avoir contribué à ça.